Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 16 mai 2021. Notre édition d'aujourd'hui commence tout de suite avec notre sélection d'informations. Le président Abdel Fattah el-Sissi se rend aujourd'hui à Paris pour participer à la conférence de Paris pour soutenir la période de transition au Soudan ainsi qu'au sommet sur le financement des économies africaines prévues les 17 et 18 mai. Le chef de l'État prend part au sommet par visioconférence avec la participation d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement et les dirigeants d'organisations internationales. Le président français Emmanuel Macron réunit mardi dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales afin de tenter de trouver des solutions inédites à la crise de financement d'une Afrique qui aspire à maîtriser son développement et à s'extraire du piège de la dette. Accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Hessein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Sam. Alors, si on parle de ces deux sommets à Paris, l'une centrée sur la transition au Soudan et l'autre centrée sur le financement des pays africains et la participation du président Abdel Fattah el-Sissi à ces sommets, comment les voyez-vous? En ce qui concerne le premier sommet, Oui. celui qui porte sur la période transitoire au Soudan, Oui. certainement l'Égypte a un grand intérêt à stabiliser la situation au Soudan, soit de point de vue politique ou de point de vue économique. Et l'objectif principal de ce sommet et comment relancer l'économie soudanaise à travers un soutien international, soit de la part des pays occidentaux, les pays les plus industrialisés, soit de la part des institutions financières et économiques internationales. Comme vous le savez, le Soudan veut certainement la suppression d'une grande part de ses dettes extérieures. Oui. La dette extérieure soudanaise s'élève à 60 milliards de dollars. Pour l'économie soudanaise, ça c'est une somme énorme. Et certainement, le sommet qui se tiendra à Paris, un de ses objectifs est comment traiter avec cette dette extérieure soudanaise, soit la suppression totale, soit l'allègement des paiements. Mais ça, une fois une décision internationale adoptée dans ce contexte-là, je crois que la bonne transition au Soudan serait garantie. Le deuxième sommet, relancer les économies africaines, certainement c'est un sujet important à la lumière de la pandémie de COVID-19. La pandémie COVID-19, certainement, a eu et a déjà une influence, des conséquences négatives sur le plan économique de point de vue africain. Alors, comment la communauté internationale pourrait aider l'Afrique, premièrement, à confronter la pandémie et deuxièmement, de relancer les économies africaines qui étaient ou qui sont déjà vraiment touchées par la pandémie. Alors, et l'Égypte, dans les deux sommets, a un grand intérêt, car en ce qui concerne le Soudan, la bonne transition au Soudan, certainement, a un effet positif sur les relations égypto-soudanaises,
et la relance économique africaine aussi a un effet positif sur l'économie égyptienne, étant donné que l'Égypte est une économie africaine en même temps. Alors, alors les décisions qui seront prises dans le deuxième sommet, certainement auront des répercussions positives sur l'économie égyptienne. Parfait, Monsieur l'ambassadeur Hassan Haridi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur. Merci à vous. Je répète que vous êtes ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sissi a visité l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia et a inauguré plusieurs projets du développement. Le président a salué et a apprécié les efforts fournis par l'autorité du canal de Suez. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Marwa Arafat et Ayasha. Le président Abdel Fattah el-Sissi a visité l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia en inaugurant un certain nombre de projets de développement. Monsieur le président a adressé un salut de respect et d'appréciation au peuple égyptien et à l'autorité du canal de Suez. Le président a signalé que le but de la visite est de confirmer que le canal de Suez fonctionne de toute son efficacité et pas seulement en tant que canal de navigation. Le président el-Sissi a salué les efforts consentis par l'autorité du canal de Suez, notant que c'est un organe géant ayant une clairvoyance. El-Sissi a affirmé que l'autorité du canal de Suez possède de grandes et gigantesques dragues et qu'un nouveau dragage devrait arriver au mois d'août et rejoindre la flotte. Ainsi, il a salué les familles des martyrs et des blessés, ces martyrs de l'armée et de la police égyptienne qui ont reçu des tirs, des balles, des engins explosifs pour protéger le peuple égyptien. Le président a également affirmé que lorsqu'on prononce le mot terrorisme, cela se fonde sur la vision d'État, des fonctionnaires, des études, des évaluations de position et des prévisions pour l'avenir. Et le chef de la diplomatie, Sameh Chokri, a examiné lors d'un appel téléphonique avec son homologue saoudien, l'émir Faisal bin Farhat, l'escalade militaire dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que les deux ministres s'étaient mis d'accord afin de poursuivre les consultations et la coordination pour obtenir une désescalade dans la bande de Gaza et arrêter la détérioration de la situation et ses répercussions dévastatrices sur la paix régionale. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Chokri, s'est entretenu au téléphone avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdallah, de l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens, ainsi que de l'escalade dans la bande de Gaza, a-t-on appris de la page Facebook du Conseil des ministres. Au cours de l'entretien téléphonique, les deux ministres des Affaires étrangères ont échangé les vues autour d'une issue à la situation actuelle, afin de rétablir le calme, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Et le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté que M. Chokri avait passé en revue les derniers efforts déployés par l'Égypte avec toutes les parties concernées pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Ils se sont de même mis d'accord sur la nécessité de poursuivre la concertation et la coordination au cours de la prochaine période, tous azimuts, afin de mettre fin à l'escalade militaire et d'empêcher la détérioration de la situation dans la bande de Gaza. Les deux chefs de la diplomatie ont mis l'accent sur l'importance d'agir pour reprendre les efforts de paix, notant que la solution des deux États est incontournable à tout accord de paix, de sorte à réaliser tous les droits légitimes des Palestiniens et à établir un État palestinien dont la capitale serait El-Quds. Et au cours d'un autre appel téléphonique, le chef de la diplomatie Sameh Chokri a examiné avec le chef du gouvernement libanais, Saad al-Hariri, la situation détériorée au Liban et les efforts de Hariri pour former le gouvernement. À cet égard, Chokri a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte afin de coordonner avec la direction les directions politiques pour épargner au peuple libanais beaucoup de problèmes.
Chokri et Hariri ont également examiné la situation régionale à la lumière des attaques israéliennes dans les territoires palestiniens et les efforts déployés par l'Égypte pour y mettre terme. Et l'Égypte a rouvert exceptionnellement sa frontière terrestre avec Gaza et envoyé 10 ambulances dans l'enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens, selon une source médicale égyptienne. Le terminal de Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. Tel Aviv impose un blocus sur l'enclave palestinienne depuis plus d'une décennie. L'autorité publique des soins de santé avait annoncé vendredi que trois établissements sanitaires avaient commencé à se préparer à recevoir des blessés de Gaza. L'Église copte orthodoxe a appelé samedi toutes les parties à négocier afin d'éviter un bain de sang. Vendredi, le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed Al-Tayyib, a lui lancé une campagne de soutien aux Palestiniens. Et le ministère de la Santé a annoncé que 760 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 180 577 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1 203 nouveaux cas testés positifs au coronavirus et 63 décès avaient été recensés. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 244 520 cas de contamination, dont 14 269 cas décédés. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Merci à vous.